Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous entamons une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 12 février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors, je continue dans l'oracle de cristal, avec l'oracle de cristal et je terminerai cette semaine avec le petit oracle de fées. Et avant de commencer, eh bien, vous allez répéter 3 fois l'affirmation positive pour cette journée. Je deviens tous les jours une personne plus positive. Aujourd'hui, j'ai pigé être. Le divin en moi s'exprime. Alors soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre avec vous. Et puis, encore une fois, ça parlera à certains et ça parlera pas à d'autres. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes peut-être dans un questionnement. Vous vous posez peut-être les questions suivantes. Qui je suis? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Eh bien, ce sont des questions que vous vous posez à un moment donné au cours de votre vie. Vous vous posez peut-être présentement ces questions. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas de réponse type, n'est-ce pas, à ces questions. La réponse, elle est personnelle. Et elle se trouve en vous, ces réponses. Chacun sait au fond de lui quel est son but, quelle est sa mission ici sur Terre. Mais on peut déjà dire que vous êtes là pour, eh bien, pour faire des expériences de joie, d'amour, de plaisir et de bonheur. L'être humain est naturellement enclin au bonheur et aux émotions positives. Mais il arrive qu'en chemin, il se laisse envahir par ce que veulent les autres, leurs émotions, leurs croyances, leurs pensées. Et au final, il s'oublie lui-même et il oublie pourquoi il est là et ce qu'il a à vivre. L'être humain, n'est-ce pas, est un esprit venu ici pour apprendre à aimer. Apprendre l'amour inconditionnel. Car nous sommes tous des êtres divins, n'est-ce pas, en devenir. Nous avons tous un grand pouvoir en nous, une partie divine. Nous sommes des êtres merveilleux, magnifiques. Voyez en chaque personne que vous rencontrez, eh bien, un agent de l'univers. Un être divin qui est là sur votre chemin pour que vous puissiez apprendre l'un et l'autre, apprendre, eh bien, à vous aimer vous-même et puis apprendre à aimer les autres. Car si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous vibrez sur une fréquence. Et par vos vibrations, eh bien, vous attirez certaines personnes dans votre environnement et d'autres personnes quittent votre réalité tout simplement parce que vous ne vibrez plus. La fréquence n'est plus la même. Alors ça peut être que vous êtes resté en contact un jour, une semaine, un mois, un an, des années. Et puis à un certain moment, avec certaines personnes, c'est fini,
vous ne vibrez plus, pardon, sur les mêmes fréquences et vous vous éloignez. Vous savez, les personnes entrent et sortent de votre vie. Il n'y a pas de gain ou perte, n'est-ce pas? Ni de bien ou de mal. Tout est parfait. Le peu que vous avez eu contact avec certaines personnes, vous avez appris. Reconnectez-vous à votre propre divinité. Permettez-lui d'exister en vous, de s'exprimer et aimez-vous, parce que vous le méritez, n'est-ce pas? Alors, soyez tout simplement. Nous avons toutes et tous une mission à accomplir. On s'est réincarné pour améliorer nos qualités et nos vertus. Apprendre à aimer si on ne l'a pas fait dans une autre vie. Alors, quelques affirmations positives par rapport à cette carte. Eh bien, la première, je suis. Oui, je suis. J'aime et je suis aimée. Ma mission intérieure est toujours claire. Je me laisse guider par mon cœur. Quoi qu'il se passe, ma valeur personnelle est toujours intacte. Je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Et puis, je suis là pour vivre, eh bien, dans la joie, dans l'amour et pour me faire plaisir. Et si maintenant je fais des expériences négatives, eh bien, cela m'a appris. Ce sont des choses que je ne referai plus. Très, très beau message pour commencer cette journée. Je termine avec le petit oracle de fée. Et aujourd'hui, j'ai pigé la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est-à-dire qu'il est temps de faire un lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on appelle faire un lâcher-prise? C'est-à-dire qu'on fait un lâcher-prise lorsque on a essayé de résoudre toutes les solutions qu'il y avait à notre portée et on n'y arrive pas. Donc à un certain moment, eh bien, on doit faire un lâcher-prise et c'est cela. Voilà, les fantômes du passé, concentrez-vous sur le présent, laissez partir ce qui ne vous convient plus. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.